Et en plus, j'arrive en live avec le calcif en fond. Ouais, les gars. Un jour, un grand homme a dit « Je suis venu défendre le point du nul qui m'a été accordé au début du match. » Il me semble pas que c'était Laurent Blanc, mais je crois qu'on était à peu près sur la même logique ce soir. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec pour faire le point. Sur, alors, des gens pensent que ça va être un coup de gueule, que je vais pas être content. Les gars, on ouvre le score cette saison. Donc on ouvre le score cette saison, ça y est, on marque notre premier point. Il faut être content, les matchs nuls à Nice, c'est un bon résultat pour l'OL de 2023-2024, Dixit c'est cadre, donc franchement les gars, let's go, ça régale. Le pire dans tout ça, franchement le pire, c'est que, et je sais pas si certains avaient eu cette impression en fin de match, mais en fin de match, genre, je vois Alvero, il est un peu par terre, je vois ça essaye de gagner du temps, je me dis mais attends, on n'est quand même pas en train d'essayer de tenir le nul, là. Eh ben, la fin de match a à peu près confirmé mon impression, c'est qu'on était tout à fait heureux de tenir le nul. C'est ce qu'on voulait. Alors, un match, les gars, calamiteux. Enfin, calamiteux, en réalité, c'est calamiteux, surtout en attaque, parce qu'après, derrière, on a défendu. Mais c'était trop drôle. Genre, vers la 34e minute ou la 38e minute, il y avait un moment, je pense, vous l'avez tous vu, genre, les Niçois relançaient, puis nous, on bougeait pas. Pas de pressing, pas d'allant, pas d'entrain. Bloc médian. On était terrifiés par la profondeur. Et on... on va dire allant collectif et tout, c'était vraiment, c'était Plowland. Vous avez vu la vidéo d'Homer Simpson où les mecs se font des passes à l'infini et après derrière à la fin Homer dit c'est nul. Et ben c'était vraiment l'équivalent de ce qui s'est passé ce soir. C'était vraiment à mourir de rire. Mais vu que je suis quelqu'un de sympa et que je vais vous le montrer parce que franchement je vous le dis, ça correspond un peu au bail. Et après on va discuter un petit peu, bah on va débriefer, on va faire tout ça. Mais vraiment ce soir, ce qu'il s'est passé, c'était l'équivalent de ça. Donc, hop là, on va aller ça ensemble. Hop, voilà, tac. Super. Hop. Non mais, hey, les gars. Hey, c'était vraiment ça. Non mais vraiment c'était l'équivalent de ça, c'était vraiment l'équivalent de ça. Et moi je suis comme le public, au fur et à mesure je perdais mon allant ou de ma positivité, c'était un délire. C'est nul. Arrêtez de vous piller, relevez-vous. La merde. Donc voilà, c'était un peu cet équivalent ce soir. Je m'étais dit que je me gardais le résumé comme ça. Moi, j'ai eu accès à un résumé premium, un qui montre vraiment comment c'était sur le terrain. Et c'était bien mauvais. Bon, plus sérieusement, en dehors de ça, je suppose qu'il fallait arrêter la saignée après les deux défaites, dont celle contre Montpellier où on s'est fait complètement fumer, quoi. Ils nous ont fumé, notamment dans la profondeur et tout, donc on voyait à peu près ce qu'on voulait, quoi. Enfin, on était venu faire du Simeone, hein, les gars. On était venu faire du Simeone, mais sans aucun allant offensif et avec des joueurs très limités. Alors, petit point positif, la défense centrale a été correcte. Genre, Tchaïtatsar a été assez bon. Diomandé a été... marrant. Ça vous va, marrant. J'ai trouvé les latéraux absolument nuls à chier. Voilà, très mauvais, pardon. Koumbédi, c'était les portes d'un saloon, son côté. Genre, vraiment, c'est un délire. Koumbédi, le frérot, il est jeune, donc du coup, on va rester tranquille avec lui. Tu vois, on va pas être... mais il sait pas défendre. Enfin, c'est un délire. Vraiment, je pense sincèrement que Koumbédi, comme l'a dit Natsio dans le chat, j'arrive lancé. Je peux passer. Je peux passer. Et éventuellement, ça peut voilà. Tagliafico depuis la Coupe du Monde. De toute façon, on est sur
une constante, quoi. C'est très mauvais. Et puis après, voilà, quoi. On a été solide. Alors, on a été solide, genre, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Mais bon, après, derrière, tu sens bien que individuellement, la plupart des joueurs étaient mauvais, quoi. Donc, t'as Cherki qui essaye de ramener un peu de vie dans cette équipe et qui y arrive de temps en temps. D'ailleurs, l'occasion de rappeler que le réalisateur qui fait un plan serré sur Cherki qui sort de 4 joueurs, Jean-Jacques Amselem, on en a marre. Il y a Cherki qui essaye de donner un peu de vie à cette équipe. T'as Barcola qui en première mi-temps était pas si mauvais que ça. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de critiques sur lui. Je l'ai pas trouvé à chier, Barcola. Un peu effacé en deuxième mi-temps, mais en réalité, c'était les attaquants qui étaient envoyés au mitard. Voilà, j'ai trouvé que les attaquants étaient envoyés au mitard dans des conditions très compliquées. Voilà. Il apportait un peu de danger en première, voilà. Et après, la deuxième mi-temps, un peu. Pas très vivant, mais voilà, tu vois, genre. C'était pas ouf. Et puis après, le milieu. Alors, le milieu, c'est bizarre parce que. Je vais poser la question à 1000 euros, les gars. Cherki, il est nul. Oui, bah, si c'est ce que t'as vu ce soir et si c'est ce que tu ressors, c'est. Est-ce que quelqu'un se rappelle. C'est la question à 1000 euros, hein. Une action de Maitland-Niles. Une seule. Un truc. Je vous jure, je suis mort de rire. La frappe en tribune, oui, la frappe en tribune, tu as raison. La frappe en tribune, putain, c'est vrai qu'il y a eu cette frappe, ouais. Bon, plus sérieusement, je me rappelle de rien, j'ai cru voir passer une stat comme quoi il a joué 0 duel en première mi-temps. Le milieu a 0 duel. Le frérot Maitland-Niles, en arrivant, il a dit, quand j'avais 6 ans, je m'imaginais pas jouer à l'OL. Ce truc, c'est que nous aussi, on l'imaginait pas jouer à l'OL. Bon, plus sérieusement, c'était son premier match. Donc, on va pas lui tirer dessus trop fort. Mais c'était pas ouf, hein. Et en fait, de toute façon, le mec qui a le mieux décrit Maitland-Niles, je trouve, c'est Natsuo. Il m'a régalé parce qu'il a dit un truc. Il a dit Maitland-Niles, on dirait Ndombele en nul. Et en fait, c'est terrible parce que je vois exactement ce qu'il veut dire. Je sais pas pourquoi, c'est trop marrant. Donc, ouais, Maitland-Niles, pas ouf. Et c'est là où je vois que la commune lyonnaise est divisée en deux, voilà, et moi je vais dire mon avis sur ça, mais encore une fois, et j'aime beaucoup le joueur que ça a été, je respecte la personne, j'ai aucun problème, mais moi Tolisso, les gars, j'ai un souci avec lui. Tolisso, il joue comme Pirlo dans ses 6 derniers mois, sauf qu'il a 10 ans de moins, et qu'en plus... Il est moins précis, donc franchement, c'est un délire. Vraiment, il n'a, je trouve, aucun volume de jeu. Et même s'il va gagner de temps en temps sans ballon, genre un petit duel de la tête ou un truc comme ça, bah, il est très lent. Et surtout, il joue sur 2 mètres carrés. En fait, vraiment, Tolisso, tu fais un cube autour de lui et t'as l'entièreté de la surface qu'il va prendre sur les 3 prochaines minutes, quoi, tu vois. Genre, il bouge pas beaucoup, tu vois, j'ai pas aimé. Et en plus, avec ballon, c'est très mauvais. En plus, donc, avec ballon, c'est mauvais. Sans ballon, ça va gagner, effectivement, je vais au moins lui garder ça, ça va gagner quelques duels ou quoi, mais c'est pas la folie, quoi, tu vois. Et après, il envoie ses passes de quarterback. Bon, de temps en temps, ça peut fonctionner, mais sinon, c'est pas ouf, quoi, tu vois, genre, franchement, c'est loin du joueur que ça a été. Je sais pas si c'est... Bah, je suppose que c'est physique, en tout cas. Je suppose, mais franchement, c'est un délire. Cacré est le pire des trois. Alors, tout autant... Alors, je sais pas, c'est là où je vois qu'on n'a pas tous les mêmes analyses. Donc, du coup, moi, je respecte les avis, y a pas de problème. J'ai pas trouvé Cacré nul. Je l'ai trouvé sur un poste là où c'est pas son côté préférentiel, on va dire, très haut. Je l'ai pas trouvé bidon, genre, enfin, en tout cas des trois, c'est celui que j'ai trouvé le plus correct. Franchement, je ressors pas de ce match à me dire putain, il a été pourri. Alors que contre Montpellier, il a été vraiment mauvais, hein. Mais moi, je l'ai pas trouvé mauvais aujourd'hui. Peut-être le moins pire des milieux, j'ai trouvé. Même si c'est pas. Genre, j'ai pas, tu vois, de souvenir de moments où je me dis putain, il foire de fou, ça fait chier. Surtout comparé à dimanche dernier, bah après, il est pas à son poste. Pas exceptionnel, attention. Mais Cacré, on sait qu'il est bon quand il y a un 6 derrière qui fait le ménage et qui lui permet de pouvoir y aller comme un chien fou. Et surtout, pas trop sur le terrain. Et là, il est trop sur le terrain. Voilà, faut pas oublier. Tweet d'Hugo, allez, tiens. On veut qu'on est sur du direct. Regardons le tweet d'Hugo. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Hugo
Hugo Guimet. C'est ça, j'aime bien. La... Alors, Hugo Guimet, qu'est-ce que ça raconte? Hop. Bon, rien de neuf. Enfin, pas, rien de neuf, parce que moi, j'étais pas du tout inquiet sur ça, mais voilà. Laurent Blanc confirme que Nuama sera officialisé en début de saison, en début de semaine, et qualifié contre le PSG. Ernest, il est à Lyon, et il sera à Lyon. Il va nous amener ce qu'il sait faire. C'est un joueur plein de gaz, plein de jus. Il va apporter de la concurrence devant. Enfin, c'est assez drôle qu'il parle d'apporter de la concurrence devant, alors que sincèrement... je pense qu'il crame la plupart des titus qu'on a à l'heure actuelle. Mais voilà, en tout cas, Nuama, c'est bon. Hein. Moi, j'étais pas trop stressé. On est sur des détails à la con, mais je, bon, genre la concurrence, ouais, il va venir concurrencer Amine Sarr et Jeffinho. Je pense qu'il est un peu au-dessus. Donc le milieu, voilà, on a parlé. Tolisso, j'ai pas trop aimé. Cacré, j'ai trouvé pas ignoble, même correct. Et Maitland-Niles, est-ce qu'on l'a vraiment vu? Et après, bah, du coup, t'as Cherki qui essaye de se battre à créer des choses. Cherki, depuis le début de la saison, je trouve que c'est le seul qui tient son rang. C'est-à-dire que c'est le seul qui tient son rang de joueur. C'est-à-dire qu'il évolue pas à un niveau stratosphérique, attention, mais c'est le moins problématique de tous. C'est-à-dire qu'il a toujours ses petits défauts, mais vraiment, il essaye d'être un leader. C'est-à-dire qu'il prend ses responsabilités, il décroche, il prend le ballon, il essaye de faire avancer, il... Vraiment, je veux dire, je trouve que c'est un bonhomme, voilà. Je trouve que c'est un bonhomme, voilà, si je dois être honnête. Après, Amine Sarr, très limité, voilà. Malheureusement, il en avait une. C'est la passe magnifique de Cherki, qui doit se démêler de 4 niçois pour réussir à l'envoyer. Il met même pas une vitesse à Dante. Genre, il lui met une petite vitesse, mais très légère, alors que Dante, il y a le cathéter qui le suit quand il court, hein, faut le savoir, hein. Dante, il court avec le cathéter et derrière, hein, c'est un délire. Et après, elle était dure à prendre, voilà, je dois être honnête. Et comme je dis, Barcola, bah, en première mi-temps, c'était pas mal, deuxième, c'était fantomatique, mais en même temps, offensivement, on était horrible, voilà. Donc, franchement, voilà, et après, dans les entrées, bah, les entrées, il y a à boire et à manger, quoi. L'entrée de Kadewere, j'ai mis le tweet et je crois que je l'ai supprimé parce que c'est pas très sympa. Mais bon, c'est quand on se rappelle de la dernière fois qu'il avait joué à Nice il y a 2 ans, c'est vraiment... Ah bah non, mais je l'ai gardé le tweet, je suis un bâtard. Je l'enlèverai parce que c'est vraiment pas très sympa. Mais vraiment, le tweet de enfin, l'entrée de Kadewere, c'est vraiment... C'est... Un assassin revient toujours sur les lieux du crime. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois, il nous avait purement assassiné, le frérot. Là, on est toujours sur une configuration similaire, quoi, tu vois. Donc, ouais, Kadewere, très mauvaise entrée. Skelly Alvero. Skelly Alvero, j'ai trouvé vraiment l'entrée assez mauvaise, voilà. Et au global, bon, bah, une équipe à chier collectivement et qui n'a rien proposé. Je crois la stat, on est à combien ? 0,17 d'expected goals. Moi, j'ai une autre stat parce que je vais update celle de la semaine dernière. La semaine dernière, en comptant depuis la dernière victoire en prépa, donc, surtout depuis la dernière fois que c'est arrivé, nous avons passé, les amis, vous êtes prêts ? 630 plus 90, donc 720 minutes sans être en tête au score, sans mener un match. 720 minutes, hein. C'est 720 minutes 720 minutes qu'on n'a pas été en tête au score. Et la dernière fois qu'on l'a été, c'était mi-juillet, contre 2 Treffers, une D3 néerlandaise, qui en plus nous avait mis une vitesse dans le jeu, si on veut être en plus honnête sur ce match-là. Donc 720 minutes, et encore un super match sans marquer de but. Donc, on se régale dans cet effectif à l'allant offensif assez marqué, on va dire. Donc, plus sérieusement, c'est vraiment pourri, hein. C'est un délire. Hein. On attaquait très mal et on se créait très peu d'occasions pendant la prépa. Et surprise, bah, ça a été le cas aussi sur les matchs officiels. Au moins, les frérots, je vais être honnête avec vous, ça servira de leçon à tout le monde. C'est vrai que de temps en temps, des équipes peuvent être mauvaises à la prépa, puis meilleures derrière. C'est vrai. Mais c'est des équipes qui montraient des choses. En général, quand une équipe ne montre rien à la prépa, ne se procure pas d'occasion, on avait passé un moment plus de 150 minutes sans tirer, sans cadrer un but, un tir. Quand une équipe monte du néant à la prépa, en général, oh surprise, c'est pareil.
quand les matchs reprennent. Parce que, ok, les matchs reprennent, il y a un peu plus d'allant, un peu plus d'entrain, mais le un peu plus allant, un peu plus d'entrain, ça tient une journée, quoi. Ça tient une journée ou deux. Et après, derrière, le collectif revient. Et si le collectif est zéro, bah, la performance est zéro. Donc, on est zéro. Maintenant, franchement, on est nul offensivement, mais moi je maintiens ma théorie. La saison commence, je l'ai déjà dit, le 17 septembre. C'est-à-dire que déjà, je suis content qu'on soit pas à 0 sur 12. On sera que à 1 sur 12. Vraiment, ce qu'on va se prendre la semaine prochaine... Vous avez vu, il y a des mots qui désignent le nombre de buts. Genre triplé, quadruplé, sextuplé. Faudra inventer un nouveau mot pour décrire ce que Mbappé va nous mettre. Un 12-tuplé, peut-être. Ça existe ou pas? Vraiment, la semaine prochaine, Paris arrive. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Hein. Sans la casette, pas Minsar en neuf. On va prendre 37-0. À peu près. Franchement, on va se faire fumer. Parce que tout autant que je dis que le milieu de Paris, je le trouve peut-être pas hyper suffisant pour la Ligue des Champions, pour jouer face à nous, ça fait large le taf. Et on va devoir défendre devant Dembélé, devant Mbappé, devant, je sais pas, s'il est là, Gonçalo Ramos, ou peut-être RKM s'il signe cette semaine. Oh là 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 là, Lucas Hernandez, il est en forme, oh là là. Et on va avoir Amine Sarr qui va essayer d'aller marquer devant Skriniar et tout. Oh là 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 là. Je vous jure, les mecs, hein, c'est... Genre, je vous dis, c'est... On est en pilotage automatique, voilà. Vraiment, on va... Mais tu sais que j'ai hâte de voir le bousin qu'on va poser contre le PSG. Hein. Contre le PSG, on va être à 12 milliards derrière. Genre, vous vous rappelez le 6-5-0 de l'Atlético à l'Etihad? Vous vous en rappelez? Ligne de 5, ligne de 6, pas un attaquant. Oh, on va bien rigoler, hein. Oh, on va bien rigoler, les gars. Oh là 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 là. Ça va pas être joli, hein. Donc, plus sérieusement, je pense que peut-être pour l'une des dernières de Lolo White, ça va être sportif. Après, le football, c'est pas une science, hein. À tous les coups, il y a une surprise. Disons que je n'y crois pas trop à la surprise. Et qu'aujourd'hui, à la rigueur, je suis vite fait content d'avoir vu quand même défensivement une charnière correcte. Mais la semaine prochaine, avec Rémi Rioux, Pamin Sarr, et ok, peut-être les retours quand même, c'est à noter, genre, enfin l'arrivée du coup d'Ernest Nuhama et les retours de Clinton Mata, ça va faire un peu de bien. Mais ça va être dur, hein. Rémi Rioux encore, je suis désolé, hein, mais Rémi Rioux, c'est effrayant, hein, je jure, c'est terrible, hein, c'est terrible. Donc bref, un match néant, collectivement c'était nul, comme tout ce qu'on a vu ces dernières semaines sous Lolo White. Et quand bien même il lui manque son fameux 6, je sais pas quoi, même si le 6 arrive, et en plus je suis même d'accord sur l'analyse, quand on y réfléchit bien, même si le 6 arrive, je ne vois pas nous transformer en machine de guerre ou en équipe qui commence à avoir une animation offensive de fou. On n'en a pas. Les pressings sont pas coordonnés, voire inexistants quand on veut rester qu'en bloc médian. Pour devenir une équipe de contre-attaque, encore faut-il savoir faire une sortie de balle. Est-ce qu'on sait faire une sortie de balle? Mais vous avez vu le nombre de fois où Nice nous a pressé un tout petit peu et que le ballon retournait jusqu'au gardien pour envoyer une chiche? Ça, c'est le signe d'une équipe qui ne sait pas ressortir. Et on ne sait pas ressortir correctement. C'est ce que j'ai dit pour vanner sur Twitter. Genre, Laurent Blanc, il accepte les médias que les 15 premières minutes de ses entraînements. Mais pour cacher quoi? Pour cacher la recette de ce qu'on voit le week-end? Moi aussi, j'ai une recette secrète, hein. Les pâtes à la merde. La recette, je vous la donnerai pas. Hein. Vraiment, je la garde que pour moi. Rhabillé à plat, comme ça. Faut surtout pas qu'on me la vole. Hein. Attention, hein. Ah, celle-là, elle fait des jaloux. Hein. Non, mais sans déconner, qu'est-ce qui est fait à l'entraînement? Parce que quand bien même, il est vrai qu'on a quand même des absents et certains joueurs moyens, on va pas se mentir, je reste sur ma position qu'on est quand même à pas très loin d'avoir un effectif pas trop mauvais, et même plutôt pas mal. Mais collectivement, c'est le néant. Et il n'y a aucun... Enfin, vraiment, c'est quand même dingue. Genre, aujourd'hui, c'était la première fois depuis des semaines, et la connexion Lacazette-Barcola, qui en plus s'est faite, on va dire, assez naturellement, c'est la première fois depuis un long moment... que je me dis, ok, on voit un truc collectif venu de Laurent Blanc, c'était le fait de ne pas les presser.
et de rester en bloc médian. Défendre le nul. C'est triste quand même, hein. C'est quand même triste que ce soit le seul truc que je me dis ok, c'est ça, c'est un truc visible. Parce que sinon, voilà, tu vois. Et quand bien même, c'est vrai qu'il y a des joueurs un peu moyens de ça, machin. Les gars, on a quand même un effectif qui suffit, enfin qui est quand même correct pour essayer de proposer mieux que ça, quoi, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Les joueurs sont bien sûr fautifs, hein, on n'absorbera jamais la responsabilité des principaux acteurs sur le terrain. Mais frère, on ne voit rien dans cette équipe. Il y a rien qui a été fait à la prépa. Il y a rien. Cette équipe n'a pas été préparée. Même le fameux foncier. Alors je veux bien que le foncier, c'est surtout sur la durée, pour que l'équipe soit prête physiquement à plusieurs moments de la saison, tout ça, machin. Mais wesh, la troisième journée, à des moments, tu vois des joueurs, ils sont KO. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de rythme. Vraiment, si un mec a découvert la Ligue 1 par le match de ce soir, il doit avoir envie de se crever les yeux. Hein. Ça doit être compliqué. Hein. Donc, franchement, c'était pas ouf. Et la déclate Tolisso, oui, je l'ai vue, la déclate Tolisso, tenez, tu sais quoi, on va la re-regarder, pour ceux qui savent pas de quoi on parle. On va la regarder. Elle est moins grave, je trouve, que ce que certains en disent. Je la trouve pas trop choquante non plus. Mais regardons-la ensemble. Hop. Coucou. Hop. Hop. Quand on est Lyon, on prend félicité pour un match nul. Aujourd'hui, on est l'Olympique Lyonnais de 2023-2024. On n'est pas l'Olympique Lyonnais de 2002-2003. 2015-2016. Ouais, ou 2015-2016, si vous voulez. Aujourd'hui, on a plus de difficultés. On ne va pas se prendre pour des autres. On n'est pas comme nos prédécesseurs. Et on a vu qu'on avait du mal en ce début de saison, même sur les matchs amicaux. Donc petit à petit, on travaille toujours à l'entraînement. Je peux vous l'assurer qu'on travaille énormément. Tout le monde se donne à fond. Tout le monde a envie de redresser la barre. Donc même si on est Olympique Lyonnais, de prendre un point aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais 2023-2024, est content, ouais, de venir prendre un point ici à Nice. Et après, pour parler du début de match, bah après, on a essayé de mettre des choses en place. Ça a plus ou moins bien marché, mais on a réussi à tenir tous ensemble. Donc, bon, même si c'est vrai qu'on est nul, hein, qu'on n'est pas très bon et qu'en 2023-2024, le point du nul à l'extérieur à Nice, c'est pas mauvais. Mais alors le voir défendre comme ça, et surtout c'est vrai, même si dans le fond c'est pas complètement faux, c'est vrai que l'entendre ça fait chier. En vrai. L'entendre ça fait chier. Et au-delà de ça, toute vérité, genre, pas n'est pas bonne à dire, mais quand t'es un peu un cadre, je trouve ça fait tâche. Parce que quand tu fais le match de ce soir, c'est-à-dire ne pas être dangereux, concéder quand même un certain volume d'occasion, être pas loin de passer à la défaite, le penalty qui a failli être sifflé sur Tagliafico, mais ça avait dévié avant, bah après un match comme ça, tu peux pas dire... Enfin, c'est dur de dire ça. Enfin, je trouve que c'est... Je sais pas. Je trouve que c'est pas... C'est pas correct, je trouve. Surtout que même lui, je trouve qu'il y a quand même de gros doutes sur son niveau. Et je trouve que l'état d'esprit est pas ouf. Après un match comme ça, je pense que tu dois quand même être un peu... Genre, déjà, un peu d'ambition, comme vous dites dans le chat. Mais surtout, après un match comme ça, les déclats de Rémy Rioux, les déclats de Tolisso, genre, tu dois être un peu scandalisé. Le match d'aujourd'hui n'est pas une satisfaction. Tu ne peux pas être satisfait d'un match où t'as rien ressorti, où tu t'es pas créé d'occasion, où t'as pas essayé de gagner. Et ça, c'est un peu honteux. Donc oui, dire que l'Olympique Lyonnais 2023-2024 est moins ouf, factuellement, c'est difficile de le contredire sur ça. Mais ne pas être... Ne pas avoir la rage ou en tout cas avoir l'air semi-satisfait d'un match comme ça, c'est dur quoi. Enfin, quand j'entends Ryu, on se devait d'être solide et de montrer un meilleur visage, c'est ce qu'on a fait ce soir défensivement, on est resté solidaire, ça fait du bien de ne pas prendre deux buts et de ramener un point. On a beaucoup misé sur un bloc compact. Alors ouais les gars, on a montré un peu un meilleur visage, on en a pas pris 4. Ouais, défensivement, on est resté solidaires. Ouais, les mecs, on a serré les coudes, ouais. Mais frère, c'est terrible. Terrible. Genre, je vous le dis, c'est terrible.